venez vraiment écouter Pam Sand donne son avis sur le clan de Flore de Lille et Nicole Kétia, et dit à Nicole Kétia de se revoir et de quitter un peu des réseaux. Sache en fait que toutes les personnes qui sont en train de l'encourager, de clasher Flore, en fait, ce sont des personnes qui ne l'aiment pas. Ce sont les personnes en fait qui veulent à tout prix la voir chuter. Il prend la responsabilité qu'il va s'en charger de son loyer durant un an. Et il espère aussi que Flore Delisle peut-être va un peu laisser Nicole Kétia. Pourquoi? Parce que quand il regarde l'état psychologique de Nicole Kétia, il se rend compte qu'elle n'est pas stable. Le papa entre dans le direct de Pam Sand. Elle dit carrément à Pam Sand de ne pas aider la mère de Nicole Kétia. Compris, soit en fait, la vienne en aide. En tout cas, la famille, écoutez. Je t'ai jamais demandé d'insulter personne. Je t'ai jamais demandé de... C'est-à-dire, je veux dire même avec Lolo qu'à l'époque, on ne se disait pas bonjour. Mais je t'avais dit de mettre un peu d'eau dans ton vin. Un enfant ne doit pas élever le ton devant ses parents, et encore plus en public. C'est pour ça que dans la semaine, j'ai fait un post, j'ai demandé, est-ce qu'il n'y a pas un homme dans cette famille? Parce que ce n'est pas normal. Parce que ce que je vois, ce que j'entends, ce qui se passe entre mère et fille, ça ne devrait pas. Mais aujourd'hui sur Meta, on nous fait croire que c'est la meilleure vie. C'est ça qui donne les vues. C'est ça qui fait de toi une personne, comment dire, visible, voilà, puisqu'on parle de la visibilité. C'est ça qui fait de toi quelqu'un... Non. Quand tu as eu la malédiction de tes parents, c'est très dangereux. Quand tu as eu l'énervement profond de tes parents, prie le ciel que tes parents ne meurent pas jusqu'à ce que tu aies demandé pardon. Une mère reste mère, quel que soit son statut. Et il est hors de question qu'une mère vivante, l'enfant, déserte sa mère et va se confier à d'autres mères. C'est aussi de la malédiction de Dieu. À un moment donné, ce n'est pas le jeu. Parce que quand on voit ce qu'on voit là, on n'est plus dans le jeu. Mais on ne peut pas, mère et fille, venir sur la toile, jouer à un jeu qui plaît même à celles-là qui sont vos mamans et vos papas sur la toile. Et elles vous regardent, et elles et ces personnes rient, et ça ne les dérange pas. C'est pour ça que j'ai demandé tout à l'heure. Est-ce que le mot noblesse, dignité, élégance existe encore? Comment est-ce que tu peux respecter les crânes plus que le papa vivant ou la maman vivante? Je voulais en venir en disant qu'on sait très bien que la culture, les gens de l'Ouest respectent, mais où est partie la culture? Qu'aujourd'hui, mère et fille se livrent à des confidences. C'est-à-dire, c'est du jamais vu. En tout cas, moi, sur la toile, je n'avais pas encore vu ça. Je n'avais pas encore vu ça. Et je pense qu'il faut que ça s'arrête. Il faudrait que ça s'arrête. Je voulais te dire une chose, Nicole. Je ne dis pas que tu es fautive. Je ne dis pas qu'on ne t'a pas attaqué. Je ne dis pas non plus que tu as raison. Mais je veux juste te dire, quand tu as de la conscience, donc ces personnes qui ont traversé avec toi, qui ont pris la route avec toi, celles-là qui sont restées dans ces eaux, Dieu avait décidé que ces personnes, c'est là où elles resteront. Ces personnes n'iraient nulle part. Et si toi, Dieu a permis que de ces personnes tu passes, il faut que tu réfléchisses. Il faut que tu réfléchisses de la suite de ta vie. Parce que quand tu passes par des trop de difficultés, là où Dieu t'a donné un enfant, Dieu t'a donné un mari, Dieu t'a donné un toit, Dieu t'a même donné, parce que tu parlais d'apprentissage, je sais pas, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu crois que Meta est plus important que tout ça? C'est ce qu'on appelle se remettre en cause. Et surtout ces gens qui entourent des personnes comme Nicole, on ne leur donne pas de vrais conseils. C'est des personnes qui ont échoué. Et elles aimeraient que tout le monde échoue comme elles. Parce que tu ne peux pas avoir une fille comme Nicole sous ton joug et que tu la laisses se perdre. Tu lui dis... Et si elle ne t'écoute pas, tu viens ici dire aux gens que à partir d'aujourd'hui, Nicole, tu n'es plus ma fille. Parce que je ne peux pas te dire de ne pas faire ceci et tu t'entêtes à faire des bêtises, ça ne me valorise pas, ça ne te valorise pas. Mais si c'est cette personne qui s'appelle père et mère qui lui disent ne laisse pas, vas-y, vas-y, elle te dit que ça, il faut stopper ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que tu as tout perdu. En fait, tu as perdu ce que tu as commencé à construire. Tu étais juste en train de commencer. Tu es encore jeune, j'entends 35 ou 40 ans, je ne sais pas. Tu es jeune. Tu as tout le temps. Alors je disais, nous autres, quand on vient sur la toile, moi j'ai fait ma vie, je travaille dans la même boîte depuis 27 ans. Quand je viens faire un live, ça n'a aucun impact dans mon travail. Tous les 25 du mois, mon salaire tombe. C'est-à-dire que j'insulte sur Meta ou que je n'insulte pas, que je fasse un live ou que je ne le fasse pas, mon salaire tombe tous les 25 du mois. Ma femme se lève, elle me dit, je ne veux plus de direct sur Meta. Si tu ne le fais pas, on va se séparer. Quoi que je vais dire à ma femme qu'on se sépare? Mais je dis bien dans le bloc camerounais, il n'y a personne d'influent plus que moi, Jean-Louis Messant, il n'y en a pas. Il n'y a personne de connu dans le blog Meta, camerounais plus que moi. Mais quand quelqu'un t'aime et que quelqu'un voit que tu es en train de perdre ce qui est important dans ta vie, cette personne te demande d'arrêter. Et moi, je peux te dire, Nicole, je n'attends rien de toi. À un moment donné, tu m'as donné de l'amour. Tu m'as considéré. J'ai bien aimé. Mais je veux dire, après, qu'est-ce que j'attends de toi?
J'aurais regardé comme tout le monde. Mais sans te mentir, ça me dérange. Quand je vois tes images, si je dis que je ne vois pas, c'est que je te mens. Je vois. Je vois comment tu changes. Et en mal. Il n'y a aucune personne qui t'aime, Nicole. Si c'est vrai que tu as perdu ton mari, tu as perdu ton enfant, tu as perdu la maison, tu n'as pas de travail, et que cette personne ne te dise pas, remets-toi en cause, essaye d'abord d'arranger ta vie avant de revenir sur Meta. Si une personne qui t'aime ne te dit pas ça, c'est que cette personne voudrait que tu sois comme elle. Tout simplement. Il n'y a pas, c'est-à-dire il n'y a pas de demi-mesure. Je ne te dis pas, en ce moment, Nicole, il faudrait qu'on se dise les choses. Je dis encore, il n'est pas interdit de répondre à une attaque. Mais en ce moment, Nicole, il faudrait que tu te mettes face à un miroir, face à ta personne. Tu es en ce moment en position de faiblesse. Parce que tu as tout perdu. Si c'est vrai, si tu perds le travail, tu perds le mari, tu perds la maison, tu perds l'enfant, avant de revenir à la bataille, va d'abord arranger ça. Très important. Va d'abord arranger ça. Parce que c'est ça qui est plus important. Meta est là jusqu'à la fin de notre vie. Il est vrai ce qu'on dit, que tu as coupé les ponts avec ta maman. Il est temps que tu remettes les ponts avec ta maman et que vous vous asseyez ensemble. Dans une histoire de famille, vous réglez ça. Ne viens plus sur Meta, Nicole. Ce n'est pas une faiblesse. Même si les gens pourraient croire que c'est une faiblesse, accepte que c'est la faiblesse. Mais occupe-toi de ce qui est important dans ta vie. Quand une maman qui ne parle pas de sa fille à n'importe qui, parce que j'ai l'impression que toutes ces personnes que vous connaissez sur la toile, c'est tous du virtuel. On ne se confie pas aux personnes virtuelles. Et moi, je l'ai toujours dit ici. Ma femme qui est là, le seul confident de ma femme, ça doit être moi. Le jour où je saurai qu'elle se confie, surtout concernant notre vie, c'est sûr que ça va se gâter. Parce que moi, elle est ma seule confidente. Moi, je ne te connais pas. Mais je voudrais te dire ce soir que si tu es en manque de logement, je peux te loger pendant une année gratuitement. Je le répète, si tu es en manque de logement, je peux te loger pendant une année, le temps que ta fille se remette et qu'elle prenne ta charge. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens t'utilisent pour que tu deviennes la risée de tout le monde. Je ne te connais pas, mais j'ai logé des personnes aussi que je ne connais pas. J'ai logé des personnes en Afrique que j'ai envoyées. J'ai dit à ma soeur, tu me regardes ça. J'ai dit à mon frère, elle est comment? Cette personne est comment? Tu trouves comment ça va? Prends-la. Si tu as un problème de logement, je peux te loger. Si tu as un problème de maladie, au lieu que ce que Flore a fait, que j'ai appris, qu'elle a demandé d'ouvrir une cagnotte, c'est pour toi qu'on devrait ouvrir une cagnotte. Nicole est en Europe. Nicole peut s'en sortir. Elle a fait le plus grand. Jusqu'à arriver là où elle est. Elle a fait ce qu'il arrive de faire. Toi, tu es encore en Afrique. Tu as besoin d'aide. Je suis partant. Si Flore a ouvert une cagnotte, qu'on ouvre une cagnotte pour toi, je dis que moi, je te donne un logement gratuit le temps que ta fille se remette. Mais arrête de traîner dans les directs. Arrête de traîner, de parler de la vie de ta fille. Problème de logement, on va faire ce qu'il y a lieu de faire. Et moi, je vais de façon, je dis bien humblement, à toutes ces personnes qui sont sur Nicole, sur la toile, et sur sa maman, de lever un peu le pied. De lever le pied. Parce que la situation qu'elle vit, tout le monde pourrait la vivre. Même si c'est elle qui est à l'origine. Même si elle n'est pas à l'origine. Maintenant que elle a touché le fond. C'est-à-dire quand on parle de ton intimité, quand on permet, on peut pervertir ta maman ou ton parent, ton frère ou ta soeur, de parler de ton intimité. C'est toucher le fond. Et quand on est humain, on s'arrête. Toutes ces personnes qui ont des choses sur Nicole, Flore, Nicole, elle n'a pas ton âge. Comme tu l'as dit, tu ne peux pas la coucher non plus. Mais je voudrais juste te demander, s'il te plaît, quel que soit ce que tu as, tu arrêtes. Quel que soit ce que tu as de sa vie, dis-toi que c'est une petite sœur, tu ne voudrais pas la voir crever. Tu as tiré ses oreilles, tu as fait. Si ce que tu as fait, c'était une façon de tirer ses oreilles, elle ne veut pas te comprendre. Mais maintenant, si tu as encore quoi que ce soit sur cette fille, même si Nicole sortait demain pour t'insulter, prends ça sur toi. Je crois que Nicole ne peut pas faire plus que ce que tu as eu sur la toile. Je crois que les insultes, les guerres, comme vous dites souvent, les guerres, que ça. C'est-à-dire que tu as eu le paroxysme dans ce que Nicole, ce qu'il y a entre Nicole et toi. Quel que soit ce que tu as de cette fille, laisse. Garde ça pour toi. Ou alors envoie ça à la personne qui t'a envoyé. Ou si c'est elle-même ou sa maman. Et que Nicole, tu l'oublies. Quelqu'un qui est à ton niveau. Ni de l'âge, ni de l'expérience, ni du matériel même. Tu as du vécu. C'est quelqu'un que tu pourrais apprendre à vivre. Quelqu'un que tu pourrais donner des leçons, des conseils. C'est quelqu'un que tu pourrais apprendre la vie. Donc laisse. Il ne faut pas que demain ou après-demain,
qu'on dise que tu as participé à la déchéance. Nicole, on va l'appeler comme ça, elle est entourée de gens perdus, comme tu as dit, qui ont raté leur vie, qui l'encouragent toujours dans la bêtise, parce que en ce qui concerne Flore, moi je pense que Flore va continuer, elle a donné rendez-vous mardi. Si Nicole n'écoute pas ce que toi tu dis, toi qu'elle a insulté hier, toi avec elle était bien avant-hier, pour une histoire qui n'a pas de sens, elle a préféré suivre une personne, et dans ça, dans sa lancée, dans sa médiocrité, elle continue à insulter sa mère, les révélations. Ce n'est pas que si c'est vrai, c'est vrai, puisque c'est sa propre maman qui parle. Si une maman parle de son enfant, ça veut dire que c'est grave. Donc, espérons qu'elle va t'écouter. Hein. Moi, je ne sais pas, vraiment, ça m'a fait chaud au cœur, ce que tu as dit. Ça m'a vraiment touché. Je voulais l'insulter dans ton direct, mais c'est même pas encourageant, fait plutôt pitié. Voilà. Merci, merci Nadège. Faut pas insulter, ça n'aide pas. Oui, Divine, bonsoir, tu es revenue là. oui, On a dit, Flore a dit ceci. Si les gens qui envoient cette Nicole, on a dit qu'on l'appelle pas, donc Non, cette non, 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 Nicole, personne ne l'insulte ici, on peut l'appeler Nicole. Il ne faudrait pas que insulter les gens je trouve vous qui payez. qu'il aime beaucoup, qu'il cotise dans son litige, au moins ces 2 000 euros. 2 Et sa 000 patronne, euros. voilà. Et qu'elle, C'est ça. soit elle quitte Facebook, soit elle donne 1 million. C'est ce que Flore a dit. Bon, c'est aussi une façon d'encourager, qu'on l'aide. Tu vois, c'est aussi Mais une oui, façon d'encourager. que les gens qui l'envoient insulter l'aide dedans. Donc, monsieur Messin, Voilà. moi je vous propose ceci. Si vous voulez donner la maison parce que vous êtes un homme au grand cœur. Peu importe ce que vous allez faire. Monsieur Messin, cotisez pour cette femme-là, c'est votre nom qui sera. Demain, c'est votre nom qu'elle va ramener dans les réseaux De toute sociaux. façon, il ne Vous connaît pas n'appelez les pas. On réseaux dit sociaux. toujours, mais oui, on dit toujours, le pied que le serpent a mordu ne veut plus que le fil tombe dessus. Monsieur Ma Messin, fille, laissez cette femme là-bas. Les gens qui l'envoient vont il l'encourager. faut Ceux pas qui peuvent suivre l'aider ce à cotiser dans ce faut pas litige. suivre ce que monsieur Messang va Moi, je dit le. là, hein. Il Il va a m'aider. mais dit que tu vas donner notre maison. Après, ils vont aller mettre les cafards, les mbomas là-bas. Après, ils vont venir dire que c'est toi qui as mis l'mboma. Pardon. En tout cas, j'ai des personnes très spirituelles dans ma famille. J'ai quatre pasteurs dans ma famille. Okay? J'ai la On famille ne qui le pense à une famille très refuse pas. spirituelle. C'est C'est pour toi qui ça disais tout que à je l'heure vous que quelqu'un est sorti de invite l'église. à Il a eu vous la crise cardiaque. Donc, laisse grand. Et même 1 Franchement, million pour pasteur. Nicole, je ne vais pas du tout la soutenir parce qu'aujourd'hui, on oublie un peu vite. C'est vrai que ce n'est pas facile à digérer tout ce qu'on entend là et tout parce qu'on se met aussi à la place de l'autre. Mais si on veut rentrer en arrière et essayer de voir ce qui a été fait dans le passé, c'est vraiment aussi grave. Mais ce que moi, je vais vous dire, vous, les blogueurs, les gens qui sont la face du Cameroun comme vous, nous, que vous, vous, que nous, on suit sur les réseaux sociaux. Moi, ce que je vais dire, Tatana, c'est que la coutume Bamileke n'a jamais refusé à un enfant d'aller à l'école. La coutume Bamileke n'a jamais refusé à un enfant d'acquérir les bases que les parents lui ont données. Et même quand ces bases sont ratées à un certain âge, on peut se refaire dans la vie. La coutume n'a jamais interdit qu'un enfant soit poli face à n'importe quelle situation devant ses amis. La coutume n'a jamais interdit de baisser la tête quand des grandes personnes nous parlent. Ça n'a jamais interdit cela. Maintenant, selon mon expérience et selon ma vision de la chose, je vous prie de vous regarder aussi, tout comme moi, je ne vous demande pas d'aller dans mon sens, mais essayez de voir autour de vous. Les gens, généralement, qui ont pris la route de l'aventure, ceux qui sortent dans des familles les plus démunies sont toujours ceux qu'on entend de leur voix plus haut, que même ceux qui sont allés à l'école et que même ceux qui ont une bonne éducation et autres. C'est-à-dire, ce sont eux qui connaissent tout. Ce sont eux qui nous apprennent tout. Ce sont eux qui manquent de respect plus que tout le monde, alors que normalement, dans la culture camerounaise, ce sont des enfants des bas échelles de niveau qui sont plus respectueux que ceux-là qui ont été gâtés, qui ont vécu dans l'aisance. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que moi, depuis que je suis en Europe, je vois sur des enfants qui viennent de l'aventure. Tout au contraire, ils sont les plus mal élevés, les plus inconscients, c'est-à-dire les plus arrogants. Et ça, moi, j'ai retrouvé chez Nicole. Ça, moi, j'ai retrouvé chez Nicole. Dans la vie, malgré l'âge qu'on a et les gens qu'on fréquente tout autour, on peut se refaire. On peut se refaire. On peut dire ici, ma mère a raté telle chose, mes parents ont raté telle chose. Peut-être parce qu'ils n'avaient pas le temps, ils étaient plus préoccupés à chercher de l'argent, à nous donner de quoi manger. Et on essaye de se refaire. Et quand on devient une mère de famille, tout comme Nicole a une maman, on évite de se retrouver dans certaines situations. Je crois qu'on a des priorités qui sont d'abord nos enfants. Donc, je crois que si son enfant n'est pas sa priorité, je ne crois pas que ce sera aussi notre priorité à lui donner des conseils. D'aller se recadrer et de revenir. Je suis désolée. Donc, si elle avait pensé au moins à cet enfant-là, ça c'est ma part, je crois qu'elle se serait retirée et de prier pour qu'elle prenne conscience sur elle-même et d'essayer de voir ce qui se passe dans sa vie, dans le réel. Donc, vraiment, je remercie aujourd'hui le grand frère, chef Flore de Lis, pour ce qu'elle est en train de faire. Pourquoi? Parce que nous sommes derrière, on voit, elle a beaucoup supporté et elle ne fait que dire baisse les armes, tout va s'arrêter. Nicole est en train d'insulter la maman de Flore. Une maman qui est souffrante. Une maman que nous tous, Flore nous a étaler son état sanitaire. On sait dans quelle situation elle est. Je voudrais dire à Nicole, quel que soit l'énervement, personne qui insulte cette maman, c'est votre malédiction que vous cherchez. Et sachez que les mamans qu'on insulte sur la toile, il faudrait que je vous le dise aussi, les mamans qu'on insulte sur la toile, les mamans qui sont vivantes, qui écoutent ce que vous leur dites, qui ne disent rien, et des mamans pieuses, parce qu'il y a des mamans pieuses, ça veut dire des mamans qui savent prier Dieu, des mamans qui savent mettre leurs genoux au sol, vous portez une malédiction que personne ne vous enlèvera jamais. Donc je voudrais encore une fois de plus dire à Nicole, si tu ne veux pas écouter mes conseils ou les conseils de tous ceux-là qui te donnent, si tu veux t'en prendre à Flore, si tu crois que vous êtes égal, parce que je pense que Flore est ton aîné de beaucoup d'années,
Et tu devrais, ne serait-ce que, arrêter pour ça. Mais si l'acharnement est encore plus sur la maman, y a pas, ça, ce n'est pas que pour toi, c'est pour toutes ces personnes. Ces mamans qui sont en souffrance. Et vous les insultez à tout vent. C'est la malédiction que vous prenez. C'est une grosse malédiction. Et même Dieu ne vous le pardonnera jamais. Le cas de la maman de Nicole, qui est revenue parce que Flore a mis ses audios. Et on avait dit à Nicole que stop point ça. Flore a mis ses audios. La meilleure défense, c'est l'attaque. Flore a donc mis les audios. La maman a continué encore maintenant à aller insulter Flore. Et Flore a encore remis les audios. On prend d'abord le cas de la maman de Nicole. Après, on passe sur le cas de la maman de ma femme, avec qui j'ai vécu, que j'ai accueilli. J'ai eu le problème avec sa fille. La seule chose qu'elle est venue mettre, parler sur Facebook, c'est que ta copine me joue, quoi, je la connais, ou juste à ses enfants m'ont insulté. Donc, je me réponds par rapport à ça. Alors, Nadège, ta question, déjà, on est en train de sortir du direct. Je vais te répondre parce que si tu n'étais pas ma personne, comme on dit souvent, parce que là, je ne veux pas qu'on sorte du direct, j'avais un message à passer dans ce direct et j'aimerais que c'est ce message qui reste. Mais c'est toi, je suis. Oui, mais parce que tu as encore allé sur quelque chose. Qui insulte cette maman-là et qui ne s'excuse pas, qui ne demande pas pardon à cette maman va échapper et que cette maman prie. Non, elle ne peut pas échapper. Moi, je ne suis pas là pour juger. Mais je dis que les enfants, une femme qui a l'âge de ta maman, aucun enfant n'a le droit de l'insulter. Maintenant, cette maman que nous voulons juger. Parce qu'en même temps, la Bible nous interdit de juger nos parents. Parce que le pouvoir que la Bible... Tu viens quand même se mettre la tête, porter le pantalon ou le collant, comme toi aussi tu dois porter le collant. Non, c'est pas une obligation. Si tu as le respect pour la maman, tu peux laisser la fille, tu vas épargner la maman. Parce que... Oui, mais deux fois j'ai épargné la maman, mais la fille m'a montré qu'elle savait trop insulter les mamans. Exactement, c'est pour ça que je te dis... Oui, je te pose une question. Je mérite un jugement par rapport à ça. Moi, je veux savoir. Parce que la maman reste la maman, c'est ce respect. Voilà, exactement. Aussi qu'elle est la maman de beaucoup d'enfants. Non, on a dit... Pour qu'elle s'occupe de sa maman. Elle a pris le désert pour venir en France. Elle va s'occuper de sa maman, les matiseuses. Que ce soit la maman, que ce soit la fille. Elles sont dans le schéma. Il y a zéro argent à donner là-bas. Il y a les mamans qui souffrent au Cameroun. Que sa fille, Mbonkena, elle a y travaillé. Mbonkena va travailler, tu sors ta mère de la pauvreté. Ce n'est pas sur Facebook que ta maman va devenir riche. Allez faire le schéma, la loi, nous on vous a vu. Par me sentir généreux, tu es tout. Mais là, nous ne sommes pas du tout d'accord. Il y a une partie en fait que je n'ai pas compris. Par me sentir que oh, sur les réseaux sociaux, il est le plus suivi. C'est la partie là qui dit que non, sur les réseaux sociaux, en fait, tout le monde a le droit de dire qu'il est le plus suivi que telle personne. Oui. Pourquoi? Si toi-même tu ne t'aimes pas d'abord toi-même, qui va d'abord t'aimer, qui va d'abord t'apprécier? Mais si c'est qu'on veut regarder normalement qui est plus suivi que qui, que pas, mais ça laisse ça. Donc pour moi, en fait, concernant qui dit qu'il veut peut-être venir en aide à la mère de Nicole Kétia, moi aussi je trouve que c'est une mauvaise idée en même temps comme c'est une bonne idée. Pourquoi? Parce que c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, les personnes qui sont derrière Nicole Kétia peut-être vont encore peut-être dire à Nicole Kétia de débloquer sa mère et peut-être de revoir. Pourquoi? De refuser en fait. Pourquoi? Parce que c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce que, Nicole Kétia n'a pas accepté. Et compris, celle-là qui encadre Nicole Kétia ne peut pas accepter que Pam ça vienne en aide à la mère de sa fille, en fait. Et même si c'est que cette mère accepte, qu'elle sache que tôt ou tard, on est sauf que sur les réseaux sociaux, cette mère, on va entendre que Pam ça un jour va sortir là, ce qui s'est passé avec les loulous Foudia. On va entendre que oh, la mère de Nicole Kétia s'est montée, la mère de Nicole Kétia s'est descendue. Pourvu que, parce qu'on dit toujours que sur les réseaux sociaux, vous-même, vous avez vu le cas de Madoka, c'est la mère de Nicole Kétia. Tout a venu se verser sur ce réseau social. Donc, mieux, par me sens, c'est que par me sens, peut-être, veut aider la mère de Nicole Kétia. Pour moi, en fait, je te donne peut-être 200 000 pour que tu cherches peut-être une maison. Mais qui dit peut-être qu'il va prendre charge? Par exemple, toujours qu'on n'apprend pas quelqu'un à manger. Bref, tu apprends la personne à empêcher. Tu vas peut-être lui donner peut-être l'argent de son loyer. Ça va servir donc à quoi peut-être qu'il va peut-être lui donner l'argent de son loyer. Entre-temps, elle va vivre comment? Mieux encore, peut-être, il dit peut-être que bon, il a donc peut-être un fonds de commerce. De là, elle va tourner peut-être parce qu'elle voit peut-être que ce qu'elle fait, peut-être les sujets, qu'elle vend peut-être les babouches en bordure de la route ou elle se balade avec. Peut-être maintenant, si par exemple, ça me tient donc 200 000, elle va peut-être mettre une table et commence à vendre comme toutes les femmes qui se débrouillent en fait. Pour moi, c'est ce que je suis en train de voir. Je ne peux pas dire que Floyd arrête de clasher Nicole. Pourquoi? Parce que là où c'est là. Quand ça sera ici, on peut bien dire à Flore Delis peut-être de laisser, comme il est en train de dire à Flore Delis de laisser, Flore Delis peut-être peut décider de laisser, et vous-même, vous voyez toutes ces personnes qui sont en train d'encourager Nicole. Toutes les personnes, en fait, qui conseillent Nicole Kétia de clasher Flore Delis et sa mère, qui tape sec à Nicole Kétia de clasher la mère de Flore Delis et son enfant. Pourquoi? Parce que ce sont les personnes, en fait, que Flore Delis porte à cœur. Si peut-être Nicole Kétia calque sur eux, Flore Delis va sauf que sortir. Tels que la reine Médou, ils sont tellement nombreux, ceux-là qui détestent Flore Delis, ils oublient qu'on parle aussi à dire qu'elle sache qu'une maman est sacrée. Si Nicole Kétia, toi, tu ne respectes pas ta mère, sache que les mamans-là,
tôt ou tard, tu vas regretter. Parce que quand ta mère va fermer les yeux, tu vas souvent rester en train de dire, ouais, si ma mère était encore en vie, mais pour le moment, tu ne vois pas la valeur de ta mère. Tout ce qui t'intéresse, c'est les réseaux sociaux. Nous, quoi dedans, ce qui est sûr, ceux qui veulent réellement t'accompagner à ta chute, toi-même, tu vas sauf que voir ta fin. C'est la même chose qu'on parle de ça, avec les personnes, que tu saches réellement que les personnes qui t'entourent, qui te poussent à clasher, ne vont jamais te considérer. Tout ce que, en fait, eux, ils t'utilisent seulement dans le clash, ils veulent à tout prix que tu clashes Flore. Mais si on veut parler que, bon, vous voyez vous-même, ce qui est en train de se passer actuellement, Flore, tu as toujours dit à Nicole que tu as de sortir des clashs, que ce qu'elle fait, c'est elle qui va regretter aujourd'hui. Nous tous nous voyons, c'est elle qui regrette. Pourquoi? Parce qu'elle a perdu son enfant, elle a perdu son foyer. Aujourd'hui, elle est comme ça. Mais tout ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle lance le direct. Les gens viennent, on parle dans son panel. Aujourd'hui, elle est à 63 euros. Par contre, elle fait le direct, elle a plus de 200 personnes, 400 personnes. Dans les 400 personnes, là, si c'est que chaque personne met seulement 1 euro, ça va donner combien? Ça va y avoir 400 euros. Ça signifie que ceux qui viennent, en fait, ne l'aiment pas déjà. Eux, ils viennent en fait régler leur compte avec Flore. Qu'elle sache que toutes ces personnes qui viennent causer avec elle, si on dit à une personne là que bon, hors caméra, est-ce que tu peux me donner 5 euros à Nicole que tu as 1 euro? La personne va dire qu'il voit clair. Si c'est qu'il voit clair, au lieu peut-être d'envoyer, il va dire qu'il envoie encore au final. Que, celle-là, celle qui a la mal bouche là, celle qui ne ressemble pas à sa propre mère. Moi, je ne parle juste peut-être parce que comme c'est Flore de l'île, je ne parle uniquement pour régler mes comptes en fait. C'est ce qui est en train de se passer actuellement. Donc, vous allez écouter comme moi. Mais